bakubana foko nane dusamba yo. Hari sama jamin sama mboku sama wai sama yo. Demba sama te sama ele sama riu sama yo. Nyungi jiyo kubakubana foko nane dusamba yo. Gis na na mung may wa kon fak ma wax ci da sama keur la yeah ah feel me getting there yeah ah feel me getting there yeah ah feel me getting there ninya si pe pour que en ce qui nous concerne ici on a voulu aller très vite par rapport à une demande qu'on a eue il y a moins de 10 jours, ou 10 jours au maximum. C'est des amis d'abord. Moi, ma mère travaille ici, mes amis travaillent ici. Donc ces amis ont pensé qu'en tant que fils de Kolda, nous devons contribuer un peu au travail au niveau de ce district sanitaire-là. C'est un établissement qui fait un excellent boulot. C'est des médecins, c'est des sages-femmes, c'est des femmes, des filles qui sont mobilisées tous les jours pour nous donner une bonne santé. Et ils m'ont dit, Tidiane, franchement, je pense que chaque Kolda doit avoir un regard sur ce district sanitaire-là. Et c'est ce que j'ai fait. On a répondu à ça rapidement en 10 jours. On a pu mobiliser ce qu'on a avec des partenaires, des brouillettes, des pelles, des draps, des produits d'hygiène. Ça, c'est une première étape que nous voulons amorcer avec ces districts sanitaires-là. Mais nous osons espérer que nous allons travailler dans un cadre de collaboration vraiment pérenne et vraiment pour qu'on puisse apporter demain des ambulances, qu'on puisse apporter des lits, qu'on puisse apporter beaucoup de choses. Les districts sanitaires, les hôpitaux aujourd'hui dans la ville, c'est bien de dire qu'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, mais c'est bien aussi que les enfants de cette ville-là aussi, chacun en ce qui le concerne, le peu que tu as en toi, que tu puisses l'apporter pour ta communauté. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes engagés en politique, mais ça ne date pas de très longtemps. Bien avant cela, nous sommes dans le mouvement social, vous le savez très bien, nous sommes dans l'humanitaire. Nous faisions des choses aujourd'hui à Kolda depuis notre tendre enfance. Je tiens à le rappeler, j'étais le premier parlementaire de cette ville-là quand j'avais 14 ans. Donc, ce qu'on fait est une continuité. Monsieur le gestionnaire, franchement, ce qu'on fait, hebnenko, ça, hebnenko le bari. Si nous n'y a qu'à n'était, amne fongé tol, si jamono, da nga wara duggal sa loxo ci sa gox numuy doxé district bi man fi la juddo je suis né ici donc sama devoir le man tay yalla bu maye astout ma indi ko au moins bokk ak ñom ça c'est important 10 jours lañ ñi wax sama yaay mu ngi fi sama jigen ñu ngi fi ñetti jaar lo ci mën ta def defal parce que tay waru ñu xaar lepp ci état et puis c'est vrai waru ñu xaar lepp ci état bon composante wax ko ça c'est trop modeste ay 5 brouillettes là il y a une vingtaine ou une trentaine de balais de pelles ak lepp li nga xamanté dañ koy soxla ci ay produits d'hygiène ay râteaux ay gants parce que kuy liguey ci hygiène sol tamit mo sécuriser ay gants ay sac poubelle parce que tay di manipuler li nga xamanteni modi ay déchets c'est pas bon même dans la matière de santé on l'interdit souvent de toucher à des déchets donc ça c'est important les draps sont devenus un grand problème au niveau de tous les hôpitaux du monde c'est partout ay draps du Kolda rek moy un problème draps même à New York quand tu vas dans les hôpitaux on a des problèmes de draps parce que souvent les gens viennent ils ramènent ou bien ils amènent chez eux et ça devient un problème. Donc nous, on a juste apporté notre modeste contribution, mais comme je l'ai dit, ce n'est qu'un début. Nous allons continuer et nous allons espérer que, monsieur le gestionnaire, que dans 6 mois, nous vous dirons, nous allons trouver une ambulance médicalisée pour le district sanitaire. Voilà, c'est possible.